Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV7. Ce soir, vous retrouverez les journalistes de Sud-Ouest pour un décryptage complet de l'actualité. Ce sera comme tous les mercredis soirs dans Commentaires Libres. Et dans ce journal, notre invité, ce sera Johan David, le président de la Maison de l'Emploi à Bordeaux. Le plan local pour l'emploi et l'insertion fait cette semaine ses 20 ans. Il a permis de signer plus de 5000 contrats de travail. On en parle avec lui dans un instant. Coco Chanel, Dali, Winston Churchill, Charlie Chaplin, dans les années 20, toutes ces célébrités du milieu du XXe siècle ont arpenté les couloirs du château de Woolsack à Mimizan, construit par le duc de Westminster. Cette année, la commune a décidé d'organiser une grande reconstitution historique et costumée. Et votre émission Découverte vous invite à remonter le temps. C'est ce soir également sur TV7 et tout de suite les titres de votre journal. Des pistes pour une alimentation plus saine. Un rapport de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle veut inciter le secteur agroalimentaire à mettre moins de sel, moins de gras, moins de sucre et d'additifs dans ses produits, à éduquer les enfants à bien manger. Il était présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale et nous serons au téléphone avec le président de cette commission, Loïc Prud'homme, député de la Gironde. Le réseau Le Carillon se lance à Bordeaux, un réseau solidaire qui propose des produits gratuits aux plus démunis dans plusieurs commerces du centre-ville. La question du stationnement, toujours au cœur des préoccupations à Saint-Augustin, le sujet devrait encore s'inviter dans la réunion de quartier prévue ce soir. Alain Juppé avait promis une concertation autour du stationnement payant, les habitants l'attendent toujours. La météo, encore une journée digne de l'été demain, pas un nuage en vue, un grand soleil toute la journée, des températures dépassant localement les 30 degrés. Il fera 27 sur le littoral et jusqu'à 31 degrés à Bordeaux et dans le sud Gironde. Et on le disait à l'instant, l'été joue les prolongations. Une météo extrêmement clémente en Gironde pour une fin de mois de septembre. On a même battu des records en termes de nombre de jours de chaleur consécutifs. Un été qui n'en finit pas et qui fait bien sûr le bonheur de tous sur le littoral. Alexandra Vira. 25 degrés au bord de l'eau, comme un air d'été. Et la météo, elle est très bonne, excellente, même inespérée, à part un peu de vent, mais sinon on est très très bien et on pense à tous ceux qui sont enfermés. Après le 25 septembre, c'est super de pouvoir profiter du soleil, moi je trouve ça très agréable. Les chapeaux sont de sortie sur la promenade et les terrasses des restaurants se remplissent peu à peu. De quoi redonner le sourire au personnel. L'an dernier, le mois de septembre était pluvieux. Si on prend les années passées, juin, juillet, août, la meilleure progression est sur le mois de septembre. En juillet, août, ça a été assez mitigé. Et au mois de juillet, pas forcément beau, donc assez moyen. Plutôt un beau mois d'août. Après septembre, on a de la chance, il fait beau, ça continue, donc la saison se poursuit. Ici, ce que je vous disais, on est vraiment tributaire de la météo, donc forcément, dès qu'il y a du beau temps, les gens sont là, et pourvu que ça dure. Retraités, touristes étrangers, des chanceux qui profitent des températures estivales pour découvrir le bassin d'Arcachon. 12% de fréquentation en plus ce mois-ci à l'office de tourisme par rapport à l'an dernier. Une clientèle qui vient chercher des vacances plus tranquilles. Les conditions de circulation, d'accès, les plages sont moins fréquentées. Mais malgré tout, on a toujours des activités. On peut toujours faire des balades en bateau, on peut toujours louer des bateaux, faire des activités nautiques, du paddle, du surf, d'autres choses. Enfin, tout est encore possible, mais on va dire avec des conditions plus agréables. Le soleil devrait briller jusqu'à la fin de la semaine prochaine. C'est l'aboutissement de 6 mois d'enquête et de près de 40 auditions. Un rapport parlementaire sur l'alimentation industrielle était présenté ce mercredi à l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête présidée par Loïc Prud'homme, député de la Gironde. Nous sommes au téléphone avec lui. Bonsoir à vous. Ce rapport que vous présentiez aujourd'hui, il a pour objectif de lutter notamment contre la malbouffe. Ce que vous préconisez donc avant tout, c'est de réduire le sel, le sucre et le nombre d'additifs dans les produits industriels. Alors c'est possible tout ça ? Oui, bonsoir. Bien sûr, tout est possible, il suffit de volonté politique, mais avant de dérouler les mesures, je voudrais quand même préciser qu'il n'est pas question de remettre aujourd'hui en cause la nécessité d'une nourriture industrielle au regard de notre mode de vie, hein, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, mais donc il faut savoir de quelle nourriture industrielle on veut dans nos assiettes. Et donc effectivement, les taux de sel, de sucre et de gras sont aujourd'hui bien au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé, et donc il faut contraindre les filières industrielles à ramener ces normes-là, ces seuils-là, à atteindre ces objectifs.
Alors c'est un rapport qui vise aussi à lutter contre les inégalités sociales, c'est ça intéressant, donc sur la question de la nourriture. Ce que vous dites, c'est qu'il faut notamment éduquer dès le plus jeune âge et réduire donc ces inégalités en fonction de la classe, de la catégorie socio-professionnelle. Bien sûr, l'éducation est un maillon essentiel pour lutter contre la malbouffe. On voit aujourd'hui que de génération en génération, les habitudes, les mauvaises habitudes alimentaires perdurent. Et puis quand on constate qu'aujourd'hui, l'obésité a une prévalence importante chez les enfants du fait de la grande proportion d'aliments ultra transformés qui sont dans nos assiettes, il faut qu'on leur apprenne à choisir leurs aliments, à savoir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc c'est le rôle de l'école aujourd'hui d'apprendre à nos enfants, à nos jeunes, à bien se nourrir, parce que c'est l'avenir entier de notre société et de sa santé dont il est question aujourd'hui. Ce qui est compliqué avec ce rapport, c'est que vous attaquez quand même à des grands lobbies dans le domaine de l'alimentation. Alors, c'est pas compliqué quand il y a une volonté politique. Moi, ce qui me pose un souci, c'est quand le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est quand même son titre, s'en remet une fois de plus aux engagements volontaires des industriels. On voit que ça fait 20 ans que ça ne fonctionne pas. En faisant confiance, ils nous promettent qu'ils vont réduire les taux de sel, les taux de sucre, les additifs, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose, en tout cas bien en deçà des enjeux. Aujourd'hui, on est deux fois au-dessus des seuils préconisés et on continue à mal se nourrir, on continue à avoir des maladies chroniques qui se développent et qui nous coûtent un argent extraordinaire. C'est 20 milliards pour le diabète, c'est 19 milliards d'euros par an pour l'obésité. Donc il est temps d'avoir une volonté politique, et quels que soient les intérêts financiers en face, c'est de santé publique dont il s'agit. Pour conclure, on a donc compris, vous alertez sur les dangers de l'alimentation industrielle. Vous pensez que ce rapport va changer quelque chose ? Écoutez, j'espère. En tout cas, moi, j'ai travaillé pour mon groupe, la France Insoumise. J'étais le président puisqu'on avait proposé cette commission d'enquête. J'ai pu voir que les députés de la majorité, en tout cas ceux qui ont assisté assidûment aux travaux, sont pour une fois d'accord avec le constat que l'on fait sur cette nécessité de changer de modèle alimentaire. Donc j'espère que cela pourra déboucher. En tout cas, soyez sûr que je le garderai précieusement jusqu'au moment où soit il sera appliqué par la majorité en place, soit il pourra l'être par la future majorité que j'espère pouvoir composer avec mes collègues de la France Insoumise. Merci beaucoup Loïc Prud'homme, député de la Gironde, qui présentait donc ce rapport parlementaire sur l'alimentation industrielle à l'Assemblée nationale. Le Carillon à Bordeaux, c'est parti. Depuis 6 mois, le réseau de proximité propose aux plus nécessiteux des services et des produits gratuits. L'association de solidarité entre commerçants, habitants et personnes sans domicile officialise demain soir son lancement dans la capitale girondine. Des débuts célébrés au Wanted Café, quartier Saint-Michel. L'occasion de remercier les premiers participants solidaires. Julien Bosque. Prendre un verre d'eau, un café, recharger son téléphone et même utiliser les toilettes, de nombreux services et produits sont déjà proposés aux personnes sans domicile dans 24 commerces solidaires. Face à la précarité du centre-ville, deux jeunes bordelaises ont décidé d'agir en lançant le Carillon Bordeaux. L'idée, c'est de pouvoir créer un réseau vraiment de solidarité où chacun, un petit peu à son échelle, peut s'entraider et être bienveillant en fait pour les personnes sans domicile et aussi pour casser l'image qu'on a sur le monde de la rue, sur les personnes sans domicile. Les retours pour l'instant sont bons, mais c'est vrai que ça fait 6 mois, ça prend du temps. On sait que pour avoir la confiance des personnes aussi, il faut un petit peu de temps, donc on ne se précipite pas. L'idée, c'est que tout ça se passe bien et qu'à terme, tous ceux qui le souhaitent puissent bénéficier des listes et des bons s'il y a chez les commerçants. Les plus nécessiteux peinent encore à entrer dans ces commerces, mais les Bordelais ouvrent leurs portes avec joie à ces personnes dans le besoin. Les restaurants ou magasins estampillés Carillon se multiplient, notamment quartier Saint-Paul et Saint-Michel. C'est une démarche qui est importante pour nous de renforcer les actes de solidarité avec les personnes en difficulté, de créer du lien. Et de créer du lien dans le quartier et de répondre à ces problématiques et de soutenir aussi la démarche du Carillon qui favorise à répondre à ces enjeux qui sont de plus en plus importants aujourd'hui. Si les problèmes de logement et d'alimentation augmentent en Gironde, l'entraide se développe aussi. Plus de 30 bénévoles et partenaires sonnent le Carillon de la solidarité. Un sujet toujours brûlant dans le quartier Saint-Augustin ce soir. Le sujet pourrait d'ailleurs bien s'inviter dans la réunion de quartier. Après avoir fait machine arrière sur la mise en place du stationnement payant à Saint-Augustin, Alain Juppé avait promis une concertation sur la question. Et celle-ci est toujours attendue par les riverains. Écoutez.
tout à fait. Apparemment, il y a de grandes difficultés sur la concertation, Comment faire cette concertation ? C'est un petit peu agaçant de voir qu'on fait des propositions, elles ne sont pas relevées, et on vient de recevoir donc un courrier nous indiquant qu'il y aurait une réunion le 8 octobre, avec un thème très générique et très général, puisqu'il s'agit de stationnement à Bordeaux. Voilà. Il y a comme ça toute une série de problèmes, de tarifs sociaux, de gratuité éventuellement même, de zones bleues comme je l'ai évoqué, qu'il faut absolument attaquer dès aujourd'hui parce que les problèmes se posent tout le temps, tous les jours. Des logements accessibles pour tous, c'est ce que demande ce collectif mobilisé ce matin, Quai de Braza. 8 personnes ont bloqué un endroit où sont interposés des matériaux de construction de futures habitations. Et la loi Elan prévoit que 20% des nouveaux logements seulement soient obligatoirement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Écoutez. Et cette loi Elan, c'est un vrai recul en fait avec ce qui a été fait déjà 10 ans avant. Là, j'appelle vraiment tous les citoyens à prendre conscience du fait que là, les personnes handicapées représentent peut-être un faible pourcentage dans la société, mais dans notre entourage, dans les années à venir, on aura peut-être nos parents, peut-être nos enfants, peut-être nous-mêmes, on connaîtra peut-être le handicap. Et justement, il faut prendre conscience du fait que le handicap, ça touche tout le monde et le logement, il faut que tout le monde puisse se loger. Il n'y a pas de pourcentage à mettre sur des logements, savoir si c'est adapté ou non. Il faut que tous les logements soient adaptés pour les personnes handicapées. L'actualité du jour dans la région, c'est bien sûr l'ouverture du Grand Pavois dans le port des Minimes à La Rochelle. La 46e édition, en quelques chiffres, c'est 800 exposants, 750 bateaux sur 3 km de ponton. Une édition axée cette année sur le renouveau de la filière nautique et notamment sur le recrutement. Christophe Chavanneau. 800 marques internationales, 750 bateaux exposés, dont 300 à flot. Le Grand Pavois de La Rochelle s'affiche comme le premier salon nautique de la façade atlantique. Le nautisme qui reprend des couleurs après 10 ans de crise de la filière, qui retrouve aujourd'hui un chiffre d'affaires équivalent à 2008, soit 1,9 milliard d'euros pour sa branche industrielle. Ici, le numéro 1 français, le groupe Beneteau, affiche quant à lui une progression annuelle de plus de 8% quand le marché est à 4%. Le marché, effectivement, a repris des couleurs. Nous avons un petit peu anticipé ce mouvement, parce que ça fait quand même la quatrième année que le groupe croît à peu près 10% par an. Donc ce rebond, on le mesure en gros depuis 2015, et il s'accélère, ce qui nous pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, de bons problèmes. Ce sont des problèmes pour produire suffisamment de bateaux, accompagner la demande de nos clients, et donc de recruter suffisamment de personnel pour, être à la hauteur de ses attentes et notamment de produire tous les bateaux qui sont aujourd'hui demandés par les clients. Quant aux emplois, c'est un chiffre jamais atteint depuis 10 ans. Ils avoisinent les 41 500 et c'est en Gironde et en Charente-Maritime qu'ils se concentrent avec 6 300 postes. Ceux à pourvoir sont d'ailleurs au cœur de la problématique de la reprise économique de la filière nautique. On a fait en réalité 600 recrutements l'année dernière en France, 600 CDI. Je suis fier de le dire parce que dans une économie qui est quand même encore relativement moribonde, c'est une belle performance. Et on remet ça à nouveau effectivement sur le métier cette année, puisqu'on a un plan de quasiment 500 recrutements CDI supplémentaires sur la France. On a fait 150 recrutements l'année dernière sur Bordeaux, on en fait une bonne centaine cette année à nouveau. Et sur la Vendée, ça va être encore un peu plus de 300 recrutements cette année que nous allons faire. Une embellie qui se confirme ici sur le Grand Pavois avec la présentation de pas moins de 92 nouveautés. Voilà le Grand Pavois que vous pourrez vivre lors d'une soirée spéciale ce vendredi soir sur TV7. Un mot de basket maintenant, les JSA se sont imposés hier soir face à Chalands. Revenu du vestiaire pour la deuxième mi-temps avec une dizaine de points d'avance, les Girondins n'ont su qu'à la dernière minute du match qu'ils remporteraient à cette deuxième journée de championnat. Score final est 90-86. Les Vendéens se sont eux battus jusqu'au bout. Le débrief du match par Alex Vialaret et ailier bordelais qui a inscrit 21 points durant cette rencontre. Très content. On a surtout la victoire au bout contre une grosse équipe de Chalands, donc ça fait vraiment plaisir. Et
En plus, on gagne à domicile pour un premier match de championnat, c'est de bon augure. Le défaut, c'est qu'on manque de constance. On arrive à prendre beaucoup de points d'avance, mais on n'arrive pas à garder cette avance. Bon, après, le groupe est nouveau, donc je pense qu'il faut qu'on se réhabitue et qu'on nous trouve des automatismes en défense, mais il faut qu'on continue comme ça. Et le week-end prochain, vous affrontez Brissac ? Ouais, on va à Brissac, qui vient de faire une grosse perf en battant Toulouse. Ça va pas être un match facile, même s'ils sont qu'à 7. Il va falloir, pareil, continuer à gagner en maturité et être plus performant collectivement. Et puis un mauvais début de saison pour les boxeurs. Les hockeyeurs bordelais se sont inclinés une deuxième fois à domicile contre Chamonix. Score final 1-3. Prochain match, ce sera ce vendredi à Strasbourg. Vous les avez sûrement vus ce matin trôner sur les trottoirs noirs et verts. Ces trottinettes sont électriques et surtout en libre service. Après Paris, elles ont été déployées ce matin dans le centre-ville de Bordeaux. Et la société Lime a pour ambition de s'imposer comme une alternative de transport écologique. Pour l'utiliser, il suffit de télécharger une application et de scanner un QR code. La vitesse de la trottinette est limitée à 24 km/h et dispose d'une autonomie de 50 km. Le tarif, c'est 1 euro par course et il faut compter 15 centimes par minute d'utilisation. Le point sur vos conditions de circulation. Attention à ces travaux sur la rocade cette nuit. La rocade intérieure sera fermée entre l'échangeur 24 et l'échangeur 20 de 21h à 6h du matin. Et même chose demain sur la rocade extérieure. Des déviations sont bien sûr prévues. Et puis ce soir, attention, le pont Chaban se lève entre 19h20 et 21h. Pensez à emprunter les autres franchissements de la Garonne. Allez, restez avec nous sur TV7. Dans un instant, on va parler du plan local pour l'insertion et l'emploi. Il fête ses 20 ans. On en parle avec le président de la Maison de l'Emploi, Yvan David. Thank you.